Salut, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que le son est bon. Parfait, nickel, ça a l'air d'être bon. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve pour une magnifique recette de poisson à la bordelaise. Voilà, je quitte le champ de la webcam, le temps de couper la bouilloire qui fait du bruit. Petit dos de lieu noir à la bordelaise avec un petit riz complet. Sauté à l'oignon, des recettes simples qui vont vous faire plaisir. On est là-haut. Oui, je regarde pas en l'air parce que voilà, vous me voyez, c'est le principal. Aujourd'hui, on teste quelque chose de magnifique. Le Cake Factory, mon cadeau, un cadeau d'anniversaire, petite machine très sympathique pour faire de la pâtisserie. Et du salé, gâteau et gâteau salé, et puis voilà. Donc, un plaisir de vous faire partager ça aujourd'hui. Je regarde là-bas tout simplement parce que là-bas il y a le PC en fait, et du coup je vois tous ceux qui arrivent et tous ceux qui. Voilà, on va passer en scène de cuisine. Voilà, c'est pas beau ça. Hop là, on va bien régler la webcam qui a bougé un peu. Hop, voilà, magnifiquement parfait. Parfait, parfait. Lui, un peu plus comme ça. Voilà. Ah merde, j'ai pas fait gaffe à ça, tiens. Hop, ça m'apprendra. Voilà. Ouais, magnifique. Nous avons un cuisinier pour vous. Ok, c'est cool. Je crois que je me suis planté, j'ai envoyé un colis à moi-même. Non, je rigole. Du coup, voilà. On va faire ça. On va allumer ça parce que comme ça, moi, je pourrais mieux voir le chat. On voit tous les appareils sur la table de cuisine. Mais oui, bah, c'est les aléas du direct. La nouvelle friteuse. Ah. Chatty qui demande d'installer la dernière version. C'est de ma faute. J'aurais dû le faire avant. Ah bah oui, forcément, hein. Hop là. Monsieur Xav, salut, comment il va? Chef Tigal, mais non, alors là, du tout, pas de chef, pas de chef. Je ne suis pas chef, je suis juste amateur. J'aime bien faire de la cuisine et en plus le faire profiter aux gens. Ça me fait plaisir. Restart, j'espère que ça va pas couper le PC. Non. Ok. Connexion. Est-ce qu'on est bon? Oui. Nickel. Voilà, du coup aujourd'hui on teste cette magnifique machine qui s'appelle Cake Factory. En fait, ça faut. En fait, je le mets, mais j'en ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Très bien. Et ça notifie de partout. Hein. Voilà. Nickel. Du coup, on teste cette magnifique machine que j'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire. Si vous voulez faire plaisir. À madame ou à monsieur, bah allez-y, hein. Franchement, aucun regret, aucun regret. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Vous avez, du coup, hop là, ce type de moule avec, voilà, en fait, tu vois, tac, tu peux faire des petites tartelettes ou des cakes. En plus, les bords sont bien renforcés, tu peux pas le tordre, tu vois, c'est vraiment bien. Hop, pareil, tu vas faire un gâteau, nickel. Les moules, hop, voilà, parfait. Ouais, franchement, j'ai kiffé découvrir cet appareil. Bah, je préfère préciser qu'il n'y a aucun placement de produit. Hein. C'est juste que là, on m'a offert ça pour mon anniversaire. Et du coup, je vous en fais profiter, tout simplement. Hop, on va mettre ça là. Puis on va démarrer par un petit. Alors. En plus, super bien. Je te regarde en même temps que je fais mes crêpes. Ok, mon coco. Coucou Christophe. Coucou Coco, ça va les gens? Coco, t'as reçu normalement ton cadeau. J'ai vu que t'avais accepté tout à l'heure. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé de personne parce que j'ai dû aller chercher ton pseudo. Normalement, tu as reçu tes 500 doublons et tes 2 jours de premium. Alors, est-ce que le son est bon? C'est pas trop fort, ça va? On m'a dit que le son habituellement était bas dans mes lives, donc du coup, j'ai monté un petit peu. Oui, j'ai tout reçu, bah nickel.
Donc, un petit livret sympa. Franchement, je vais regarder un truc parce que la caméra là, elle m'a l'air vraiment foncée. Je vais voir si je peux vous améliorer le la luminosité plus ou moins. Non, je peux pas. Il veut pas. Paramètres d'image. Oui, là. Et si je fais ça un poquito. 3. Voilà. Bah, c'est pas beau, ça. Voilà. Excusez-moi, je règle l'image en même temps. Impeccable. Ouais, nickel. Beaucoup plus beau. Donc, je lisais. L'appareil livré avec un petit livret de recettes sympa. Des bonnes bases, on va dire. J'ai regardé un peu des bonnes bases. Donc voilà. Gâteau aux pommes. Là, on va faire un petit gâteau aux pommes, tranquille. On va essayer de voir. Bon, j'ai pris leur recette de base, mais avec des choses que j'ai changées parce que ça me paraissait un peu beaucoup. Donc voilà, on va tester ça. Donc, hop, lui il va rester là. Là, l'appareil. Franchement, comment il se présente, nickel. Très simple d'utilisation. Et vraiment tout, de rien, Coco, de rien. Vraiment simple d'utilisation et fait accessible à tout le monde. Hop, on va mettre ça là parce que j'aurais besoin de place tout à l'heure. Tac, tac. Alors, pour la recette, ça va être simple. 160 grammes de farine. Alors, moi, c'est pas du sucre, c'est du fructose. C'est un sucre pour diabétique. Donc, j'en mets un peu moins, mais normalement, dans le bouquin, il mettait 120 grammes de sucre. Donc, moi, il y a moins. Salut, mon daddy. Il demande 70 grammes de beurre. Eh, merci mon daddy, merci pour ton resub, deuxième mois, merci beaucoup copain, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mido! Salut Mido, ça va? Ah, coucou. Donc, je disais, voilà, tu vois, un sub et Tigal, il est perdu, tu te rends compte? Voilà, il disait 70 grammes de beurre, bon moi c'est de la margarine. Pareil, quelle belle coiffure, t'as vu? Je remercie encore la coiffeuse de nous avoir largué la veille du rendez-vous. Voilà. Il demande 10 centilitres de crème. Moi, j'ai mis 10 centilitres de lait. Il demande 3 œufs. Il demande. Alors, le sucre vanillé, moi, je le rajoute parce que pour moi, un gâteau aux pommes, il doit avoir un peu de sucre vanillé. De la levure. Et deux pommes. Tout simplement. Cluny n'est pas là pour le prout. Ah ouais. Je vous jure, ce moment de solitude que j'ai eu avec Cluny. Eh, merci Mido. Chouchou, ouais, déjà direct. Allez, ça commence. Le chouchou en approche. Laissez le hangar, il est bien. Du coup, je disais, allez, on va attaquer les pommes. On va éplucher ça. Si vous avez cet appareil là, franchement, c'est le panard. C'est le panard. J'ai acheté ça avec un Nicer Dicer Plus. Et je regrette pas. Enfin, le Nicer Dicer, je l'utilise plus, mais voilà. Ouh là là! Eh ben dis donc. Et coucou là-haut, merci pour le raid. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que ton live s'est bien passé. Merci beaucoup pour le raid là-haut, ça fait super plaisir. Waouh, 162 personnes. Je me recoiffe les gens, excusez-moi. Salut le.
Salut Scorpion, salut tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec là-haut. Voilà, je me présente, je suis Tigal, 5-9, je fais un peu de live de cuisine, je fais un peu de live de camion et aussi du World of Warship de temps en temps, le train. Oh là 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 là, oh là là. Et merci Xav. Ah non, offert par Christophe, merci mon cri-cri, merci d'avoir donné un abonnement à Xav, merci beaucoup. Camoulotte, salut! Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon live. Voilà, donc je reprends la suite. Là, on va parler de manger. Comme vous pouvez voir, là, on va préparer un petit gâteau aux pommes. Et merci, mon cri-cri. Merci beaucoup. Donc, du coup, je venais de faire la liste des ingrédients. On va recommencer vite fait. 160 g de farine, 120 g de sucre, un peu de sucre vanillé, de la levure chimique, 10 centilitres de lait, 3 œufs, 2 pommes. 70 grammes de beurre. Donc moi c'est de la margarine et le sucre c'est du fructose pour diabétique. Et puis on va tester un magnifique appareil que j'ai eu à mon anniversaire qui s'appelle c'est de la marque Tefal, donc il n'y a pas de placement de produit. Hein, je le teste parce que je l'ai reçu, je l'ai eu en cadeau et que je veux vous le faire partager parce que vraiment je le kiffe. Merci Tracat pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Merci les amis. Allez, hop là. Donc on y va. Merci, GKBois, merci pour ton follow. J'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. C'est ça aussi, je suis bon pour ça. Proutman. Proutman en attente. Ah ouais, ce moment de solitude que Clooney a eu. Bon, il a eu qu'avec moi, hein, donc c'était. Mais je ne peux pas rester sans en parler, ça c'est sûr. C'est sûr. Je savais que j'aurais dû passer le câble en dessous du t-shirt, mais la dernière fois ça faisait des craquements. Des petits craquages. Tigal, musique trop forte. Bon, on va régler ça, mon ami. Voilà, dis-moi, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Hey, Black Clooney, ça va Clooney? Excuse-moi, je n'avais pas vu ton message avant. Ça balance, ça balance. Super, tes trois cams, nickel. Merci beaucoup. Bah écoute, j'essaye de faire un. Du mieux que je peux. Là, j'ai pu avoir cette petite webcam là en plus à mon anniversaire. Ce fut un sacré anniversaire. Je vous l'accorde. Allez, on va couper ça. C'est de la pomme, hein. Faut être généreux, les amis. Hein. Christophe, il va faire attention à tes doigts, mais t'inquiète. Si j'étais un professionnel, ça se saurait, mon ami. Ah, il fut un temps où j'aurais kiffé ouvrir un restaurant. Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire. Heureusement. Et quand on voit l'état du gaillard aujourd'hui, ça aurait été chaud. C'est que des doigts, de toute façon, j'en ai 10. Si je peux plus couper de la main droite, je couperai de la main gauche. Hyper Shadow, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Encore merci beaucoup là-haut pour le raid. Là 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 là.
Viens à la maison, je vais te donner des cours, mais t'inquiète, Toff. Dès que je peux, je viens. Dès que je peux, je viens. Fais ton gîte, tu vois, tu fais ton gîte. Et que quand ton gîte, il est fait, il se fait les ongles en même temps qu'il se fait les fèves. Voilà, fais ton gîte, Toff, et dès que ton gîte, il est fait, je suis ton premier client, je te l'ai promis. Je te l'ai dit. Et mon bol, il est pas prêt. Bon, allez, on va faire là-dedans, c'est pas grave, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Hop, avant ça. Hop, petit mouchage, excusez-moi. C'est l'hiver, les amis, c'est l'hiver. Merci pour le sub offert, merci beaucoup, mon top. Allez, on va mélanger. Comment on va le faire? Deux techniques. Soit on fait le bourrin. Puis on mélange les farineux, on met les œufs, on mélange tout, puis on y va. On va faire comme ça. Hop. Mon avis, mon bol, il va être chiant. J'aurais dû faire dans l'autre. Mais il y a au lavage. On va faire ça plutôt. Hop. Je vais aller chercher. Yep, 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 yep. Va faire ça vite fait. Je préfère celui-là, il est un peu plus grand. Hop. Là, le mec, il fait des lives, tu vois, et puis il fait sa vaisselle. Ouais, bon, écoute, ma foi. Voilà. Peux faire celui-là parce qu'en fait, il remonte beaucoup plus haut et ça évite d'en foutre partout. Je peux venir laver la vaisselle. Je t'en prie. On a le lave-vaisselle, hein, mais bon. Si t'aimes bien et si t'es rentable, pourquoi pas. Après, je vais pouvoir te payer en repas. Ça me détend de laver. Ah ouais, carrément. Eh ben, je peux vous dire, la vaisselle. Depuis qu'on a eu la vaisselle, ça nous a changé la vie. Hein. Je te le dis. Hein. Tuto vaisselle. Mais n'empêche, enfin, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, de quel coin tu es, mais tu prends par exemple ma maman. Ma maman, elle kiffe repasser. Elle te repasse une banse à linge, mon ami. Bon, après, elle a travaillé 14 ans en pressing, donc forcément, ça aide. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Montréal. Ça fait beaucoup de route. Hein. Bah oui, tu me suis partout en même temps. Ah. Bon, en même temps, hein. Nous sommes une petite communauté. Hein. Et c'est pas beau, ça. Un œuf, deux jaunes. Bon, ça arrive souvent avec les œufs du bout de la rue, du primeur. Qui nous regarde peut-être parce que l'autre jour je lui ai expliqué un peu ce que je faisais avec ces produits et, du coup il m'a demandé l'adresse donc magasin Youpi voilà je passais tout à l'heure mais c'était pas vous c'était la maman qui vient vous donner un coup de main de temps en temps allez on y va. Et en plus, pour soulager madame, enfin après voilà, madame, parce que je n'aime pas repasser, je préfère cuisiner. Tu vois, je peux faire le ménage, je peux tout faire. Je peux repasser. Enfin, je peux faire le ménage, je peux mettre une machine à pendre ou quoi, mais repasser, je supporte pas.
Pour soulager madame, j'ai acheté un fer à défroisser. Franchement, depuis le temps qu'on a ça, c'est dingue. J'ai oublié de mettre fondre. Hop. Mettre chauffer un peu. On va mettre préchauffer le four à 180. Voilà. Allez, on va y aller. J'ai oublié de mettre ma levure. On y va. Tac. Hop. Là, on démarre au milieu, tranquillement. Non, là aujourd'hui, on teste une machine que j'ai eue à mon anniversaire qui s'appelle Tefal Cake Factory. Hop, et on agrandit les cercles. Et vous voyez pourquoi j'ai pris un bol plus haut. C'est si on va trop vite. Toujours en démarrant du milieu, des petits tours. Puis on accélère et puis on agrandit les tours. Hop. Et puis on y va. Deux pécables. Pas impeccable, c'est deux pécables. Tac, tac. Hop, ça c'est chaud. J'allais prendre la casserole à pleine main. On va éviter. On va éviter. Allez, on va ajouter un peu le beurre. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je viens de penser à un truc, ça. J'ai mis le four en route, je vais mettre l'appareil en route. Avec tout ce qu'il y a en route, j'espère que les plombs ne vont pas sauter. Normalement, non. Avec les problèmes de faire la vaisselle en plein live. Tigal. Hyper Shadow. Non, Tigal fait des vrais tutos cuisine, pas des rediffs. Oui, non. Non, après il y a les rediffs sur YouTube, mais vous avez le lien de la chaîne en dessous, tout en bas. Mais oui, je remets un peu. Mais je suis pas sûr de continuer YouTube parce que les problèmes des chansons, droits d'auteur et tout. Vraiment casse-pied. C'est une plaie. Franchement, tu mets une musique. Tu mets des chansons, tu mets. Voilà, tu t'as pas de problème et tu reviens 15 jours après et ta vidéo elle est strike. Il coupe les sons parce que voilà, t'as entre-temps quelqu'un qui a mis un copyright. Voilà. Hop. Ah, j'ai léché mon doigt. Coco, elle va pas être contente. Coco, elle va me voir. Coco, elle va dire, il a léché son doigt. Hop, ma petite planche pour après. Ce j'en aurai besoin dans pas longtemps. Et vous savez quoi? Je viens de me rendre compte d'une chose. Hop là, on va revenir. Il y a le con, il a oublié de mettre le lait. Voilà. Ouais, c'est 10 centilitres de crème normalement, mais moi je mets du lait parce que j'ai pas de crème. J'ai juste pas de crème, donc c'est pas grave. C'est pareil, hein, c'est un produit laitier. Voilà. Allez. Hop.
Il veut un zouk, mon papy? Allez, les gars, le temps que je beurre le moule, comme ça, vous avez le droit au petit zouk Tigal. Parlez, copains, de la meupette. Oh, la meupette. Et mine 4. C'est parti. Allez les voir, c'est des ouf. Moi, je les kiffe. Ça me fait penser à un truc que j'ai pas fait. Hop. Le moule est beurré. Et voilà, les Mine 4 TV. C'est des gens super sympas. Ça, j'ai moulé ça comme un bourrin, moi. J'ai beurré ça, pardon. Hop. Allez, c'est parti. Et on va... Je vais m'acheter une petite pince pour attacher le câble derrière. Ah, je me suis reléché les doigts. Ah, désolé Xav, je vais te rembourser tes points. Ouais, puis je m'en fous, vas-y, je te le mets là, CDC. On est des dingues. Normalement, je mets plus pour les vidéos YouTube, mais c'est bon. Ils m'ont gavé YouTube. Ils sont bien gentils, mais voilà. Allez, puis on va mettre ça du coup dans l'appareil. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, hop, je vais représenter l'appareil. Voilà, l'appareil. Petit cake factory, ils appellent ça. De la marque Tefal, petit cadeau d'anniversaire sympathique. Donc il remercie la famille. Donc on met ça comme ça. Voilà, tout simplement. On referme, puis hop. On va remettre cuir. Alors, on va mettre cuir plutôt. Tac. Alors, start. Power. Donc, c'est un gâteau à partager. C'est le programme numéro 1. On fait OK. On met 40 minutes. Et on est parti pour 40 minutes de cuisson. L'avantage de l'appareil, c'est qu'il ne faut pas de préchauffage. C'est magique. Franchement, c'est magique. Hop. On va changer de côté. Allez, pour la recette suivante, on va mettre chauffer l'eau. On va préparer le riz. Hop. Technique de la bouilloire que j'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps. Vous faites chauffer votre eau dans la bouilloire et puis vous gagnez du gaz. Bon, ça. Un bravo! Il veut un bravo. Il y a longtemps que je ne l'ai pas mis, ce bravo. Ben, souvent, c'est pour les blagues pourrites. Hop! On va saler un peu l'eau. Hop, voilà. On va préparer. C'est un nouveau couteau que j'ai eu et je l'aime vraiment bien. Parce qu'il va très bien. Donc pour la recette suivante, on va préparer. Des échalotes. Mon rêve, une batterie de cuisine en cuivre, mais super chéro. Ouais, franchement, oui. Oui. Mais après, alors ça, c'est les goûts et les couleurs. Perso, pour en avoir déjà eu,
quand même assez compliqué à garder. Parce que moi, j'aime bien les choses qui ne sont pas rayées ni rien. Et comme c'est du cuivre, c'est peut-être j'y allais comme un bourrin. Après, j'étais beaucoup plus jeune. Hein, donc, mais oui, bah, demande à Christophe. Christophe 43, il en a. Mon ami Cricri. Cricri la saucisse. Cricri la saucisse. Eh, papy, ça m'a donné une idée. Si tu vois ce que je veux dire avec Cricri la saucisse. Allez, on va ciseler ça, hop. Salut Chouchou! Chouchou et Sonia peut-être. J'espère que Sonia va mieux, Chouchou. Salut Firefly, merci pour ton follow, bienvenue à toi! Hey, c'est Thibaut! Ça y est, c'est bon! Hey, ton pseudo, je vais jamais y arriver, je te jure. Je crois que. Va falloir que je fasse un post-it quelque part. Ça va la forme, mon ami? Sonia va mieux. Nickel. GG, ben merci. Tranquille et toi? Ben ça va, tranquille et détendu. Journée, franchement. Si je vous dis la journée, je vais le dire avant qu'il rentre. Pas de femme, pas de gosse. Voilà, j'ai juste ça à dire. Je n'en dirai pas plus. Commence à faire chaud là. Hop là, on va ouvrir là. Commence à se faire chaud. Donc j'ai mis préchauffer mon four à 180. Mais il change de pseudo comme du coup, c'est pas facile. Y a que toi qui peux nous le dire, Mido. En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à vous sur la chaîne, ça fait plaisir. On a combien? 291, bientôt la barre des 300. What the wouh! Oh là là. Ouais, j'en reviens toujours pas. Hein. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur la chaîne, c'est complètement dingue. Madame, alors voilà, oui, pour ceux qui ont participé à la cagnotte pour le traitement de madame, madame a eu son rendez-vous au neurologue hier. Donc elle n'a pas eu l'ordonnance pour l'instant parce que le neurologue veut lui donner toutes les informations. Donc dans tous les cas, quand est-ce qu'on bouffe? Mon kiki. Deux slips par semaine, ça va. Ouais, c'est la moyenne, hein, si bien. C'est comme la douche, hein. Pas trop, hein, parce qu'après on sent bon. Donc voilà. Donc ouais, je vais quand même, je parlais sérieux, j'arrive encore à sortir des conneries. Voilà. Donc son rendez-vous, voilà, c'est bien passé. Donc là, maintenant, on attaque la phase du traitement. Le neurologue, avant de lui donner l'ordonnance, il veut être sûr qu'elle ait toutes les informations, parce que comme la dernière fois, il lui avait dit que c'était trop cher et qu'on ne pouvait pas. Il s'attendait pas à ce que voilà du rendez-vous suivant. Donc du coup là il lui prépare tous les éléments parce qu'il va falloir qu'elle fasse ça accompagnée et tout ça. Donc du coup voilà. Mais en tout cas merci encore à tous du fond du cœur, du fond de mon cœur, papy. Tu sais ce que ça veut dire.
Allez, trêve de conneries, on va attaquer des choses sérieuses. On va attaquer les choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah non, bon, je pensais que c'était des trucs blancs dans le fond de la casserole. Non, c'est des coups. Donc je remercierai encore ma moitié pour flinguer mes casseroles quand elles cuisinent. Pourtant, de la conserve, il n'y a pas besoin d'attaquer la casserole. Bon, bref. Un bâtard. Je profite parce qu'elle est pas là, hein, je vous le dis. Allez, on va mettre un peu de matière grasse. Mon huile, je l'avais déjà sortie. Voilà. Donc là, on va attaquer la recette. Enfin, on a déjà attaqué la recette du dos de lieu noir à la bordelaise. Tac, tac. Salut poto. Bah de rien, j'espère que ta dame ira mieux. Mais bah oui, bien sûr. Bah franchement, on va dire que tant qu'elle n'aura pas fait le traitement, on ne saura pas. On reste quand même hyper confiant. Avec tous les retours qu'il y a sur Internet. Parce que, alors, même si ça reste Internet, voilà, on ne se fie pas à 100% à ça. Mais pour ce problème de santé, il y a un groupe qui s'est fait surface de bouqueux. Faut que j'essaye. En fait, j'essaye d'attraper mon riz sans bouger la webcam, mais c'est compliqué. Voilà. Hop, merci petit. Merci. Bon, vous pouvez prendre du riz blanc, pas obligé du riz complet. C'est parce que je suis diabétique. Donc du coup, voilà. Hein, le riz blanc, on évite. Hop. Toujours un grain de riz qui va se barrer à côté. Et c'est parti, mon kiki. 12 minutes. Salut Optimus 709, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Vais recouper le micro, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, petite montée d'émotion à parler du sujet de madame, qui reste quand même un sujet important. Et du coup, voilà. Petite gouttade du nez. Salut mon cher, quoi de neuf? Salut Yann. Comment il va, Yann? Bah écoute, quoi de neuf? Ah ici, rien de neuf. Les neufs, on les a cassés tout à l'heure pour faire le gâteau aux pommes. Et du coup, il n'y a plus de neuf, il n'y a plus que des huit. Papy, j'ai réussi à la placer, t'as vu? Hey, on va faire un jeu, tiens. Allez, hop, pour le prochain live. Merci Yann, merci. Un abonnement pour son deuxième mois. Et merci mon ami, merci beaucoup. Merci du soutien, ça fait super plaisir. La moitié de 18. Il y en a qui diront 7 plus 2. Voilà. Allez, on continue. Quoi de neuf, la moitié de 18. Oh, mon kéké. Kéké, s'il te plaît. J'aurais pu reprendre ma casserole de tout à l'heure, en fait. Allez. On va mettre chauffer les échalotes. On va, ouais, je disais, on va faire un jeu, tiens. Les copains du Discord. Alors, il n'y a pas de Discord sur la chaîne Tigal, mais ceux avec qui je joue très régulièrement. Au prochain live, en fait, je crois que je vais faire une section papier. Dans le prochain live, ou dans un de nos lives. On va se mettre au défi de devoir placer des phrases, tu sais, ou des mots. Sans être non plus vulgaire ni tout ça. Gâteau pomme, mais encore, ça peut être beaucoup de choses. Oui. Oui. Allez, donc on va faire revenir tranquillement notre petite échalote. Toi, tu reviens là. J'ai pas fini avec toi. On va aller chercher. Hop.
notre petit filet de poisson. Alors on va faire, voilà, ça chauffe, ça commence à mettre un peu. Allez, hop là, on va faire suer. Oh, tu me fais suer. Voilà, hop, voilà. Faire suer les échalotes. En attendant, vous avez le temps de voir que j'ai payé 4 euros ce magnifique morceau de poisson. Ah! C'était une femelle. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Oh mon kéké, c'était dur la journée au boulot, kéké. Allez, on sale. On va saler, on va poivrer. On va profiter, on va faire la même sur les échalotes. Ah ouais, là je fais. En fait, c'est la partie de dessous. Ce sera la partie du dessous. Hop. Tac. On va saler, poivrer les échalotes. Allez. Tac. On va aller chercher notre citron du primeur. On va ralentir un peu le gaz. On va décaler le morceau de pain de dure journée normale. Ah. Le citron, on le roule, on l'écrase un peu. Comme ça, hop. Voilà, il sera prêt pour le jus. Le pépin. Nickel. On va prévoir le vin blanc. Alors c'est du vin blanc en bouteille hein, de plastique. Hein. Moi c'est bon d'utiliser du bon vin blanc hein, pour faire ce genre. Idéal pour la cuisine. Parfait. Voilà. Bon, normalement c'est du persil. Bon, moi je fais avec ça, comme j'ai dit. Hop. Assaisonnement pour salade, ça marche très bien aussi. On a prévu la chapelure. Donc moi je fais un mix des deux. Chapelure de pain, chapelure dorée. Voilà. Donc les échalotes ont sué 2-3 minutes. On va y ajouter le jus de citron. J'ai pas vu, il y a des pépins dedans. Pas bon les pépins. Hop. Encore des pépins. Allez, on y va. Il y a encore. Et sérieux? Prochaine fois, je lui demande 100 pépins parce que là. Hop. Hop. Plus simple pour les récupérer. Les pépins, ça risque de croquer sous la dent. Voilà. On va ralentir le gaz. Voilà. Hop. Un peu plus de d'un demi-citron. Ouf, quand même. Ah non, c'est pas du pépin. Tant pour vous. Voilà. Donc on a salé, on a poivré. Jamais bon. Oui, pépin le bref. GG. Vingt-cinq centilitres. Donc là, on va en mettre la moitié de la bouteille. On met le jus de citron, on met le vin blanc. Voilà. Hop, on va réserver ça sur le côté.
pour une future recette. On va mettre chauffer. On met nos herbes. Faut y aller, hein. Faut être généreux. Pardon pour le petit rototo. On va faire une petite pause de boisson parce qu'il commence à faire chaud. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez, si vous avez besoin pour pour suivre la recette. Hop. On va laisser prendre un peu. Tu as dit que tu étais diabétique type 1 ou type 2? Je suis diabétique de type. Bonne question. Type 1, type 2. J'ai pas d'insuline. C'est un diabète qui est dû à un problème de santé de pancréatite. C'est type 1, normalement. Je suis juste seulement sous comprimé pour l'instant. Le pancréas, il bosse encore. Même s'il a pris cher. Il a pris cher il y a 6 ans. Donc on m'avait prévenu hein, que j'allais être diabétique avant l'heure. Mais là, il y a à peu près 10 ans d'avance. Hop, excusez-moi, je vais aller ouvrir devant. Ça fera un peu d'air. Oui, mais il y a le chat. Oui, le chat. Le chat. Ça, hop. Voilà. Entendre quand en fait. Je suis à l'autre bout de la baraque, hein, je vous dis ça. Je fais des tests. Et recoucou. Tu évites le sucre raffiné comme la peste. Ouais, non. Franchement, si on va dire que je me fais plaisir encore. Pareil pour moi, découverte cet été que je suis type 1. Oh merde. Moi, ça a été mars l'année dernière. Mars l'année dernière, du coup, découverte de ça. Donc, allez, on va mettre la chapelure. À peu près 50 grammes, je dirais. Alors moi, c'est ouf. Enfin, normalement, je mesure, mais là, je sais à force à peu près combien ça correspond. La chapelure, c'est léger. Voilà. Hop. On va réduire. Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu de fumée. Hop là. Voilà. Hop, comme ça peut-être. Deux pécables. On va prendre notre plat pour le four, hein, qui va bien. Miraculeusement, le pancréas fonctionne encore, donc une seule piqûre par jour plus cachée. Ah oui, donc tu as quand même l'insuline. Tandis que moi, non, j'ai pas du tout l'insuline, quoi. Merci. Le timer. Voilà. On va quand même beurrer un peu le moule, le moule, le plat plutôt. Excusez-moi, je suis exténué. À la limite du coma, hospitalisé en urgence, passé une semaine à l'hosto, c'était. Ah ouais, chaud! Chaud patate, je vois. Écoute, mon ami, je te comprends parfaitement. Pour expliquer un peu. Mon histoire, je tombais gravement malade.
Le 25 décembre 2015, le jour de Noël. Et je dois le couper. Hop. Graphe en créatite. Le soir, plongé dans le coma. Pendant 21 jours, moins 37 kilos au réveil. Tout va bien. Avec de graves problèmes pulmonaires et tout ce qui s'ensuit. Tous les microbes qu'on peut choper à l'hôpital, en gros. Et derrière, bah, depuis, c'est une galère. C'est une galère. J'ai fait. J'ai puis un anévrisme en 2019 de l'artère splénique qui a été bouchée. Donc, je vous dis la galère. La galère. Allez, on y va, on met ça sur notre poisson. Oh là là, l'odeur, les amis, que ça me donne. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau. On n'en perd pas une miette, hein, moi je vais vous le dire. Hop. Donc voilà, pour le passif un peu d'où mes problèmes de santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de pouvoir faire un planning pour le live. Parce que je ne sais pas comment ça va aller demain, malheureusement. Franchement, je pourrais, je ferais beaucoup plus. Parce que, en fait, là, moi, les lives me permettent, parce que je suis en arrêt, malheureusement, me permettent d'occuper mes journées, de penser à autre chose. Donc franchement, voilà. Ah oui, quand même, merde, ouais, voilà. Arrêt de sucre pour ce type de diabète, ça marche, la preuve pour moi, pour le the. Pour le jeu, je prends du miel, perte de poids sur 6 mois, 25 kilos sans rien faire de plus. Mes dents me disent merci, plus de tonus et je sens le sucre dans une tomate maintenant. D'accord! Tigalo, une force de la nature. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, il y a à 28 ans, j'ai failli laisser femme et enfant à cause de. D'un problème d'hôpital qui ont. Voilà, ils ont laissé traîner, ils étaient dépassés où j'étais, j'ai dû être transféré à Lille en urgence, j'étais branché sous ECMO. Ils laissaient 48 heures à la machine pour faire le travail, parce que je n'avais plus d'oxygène dans le sang, je faisais une embolie pulmonaire avec une infection des poumons. Et il essayait, ouais, 48 heures la machine. Si jamais au bout de 48 heures, je n'étais pas redevenu comme c'était, voilà, il laissait tomber l'affaire. Et je laissais ma femme et mon fils qui, en ce temps-là, avait 2 ans. Donc voilà. Depuis, c'est la galère. Mais vous voyez, je suis toujours là. Allez, on va mettre ça au four. J'ai remis un peu de chapelure. On balance ça au four. 180 degrés. Ouais, pendant allez, 20 minutes, le temps que ça cuit quand même un peu. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 20 minutes? Y a mon riz qui était cuit par contre, c'est vrai. Hop, on va faire le riz. Tac, tac. Qui c'est qui voulait venir faire la vaisselle tout à l'heure? Vous inquiétez pas, ça va d'aller. Ma femme va bientôt rentrer. Non, je déconne. Ça va, nous on se partage les tâches à la maison. Bon, je vous laisse deviner qui est-ce qui fait à manger. On va dire que le lactose du lait est transformé en sucre aussi, c'est mauvais. Ouais. Bah, après moi, j'ai passé une journée dans un centre de diabétique pour qu'ils te font des mesures à longueur de journée pour voir comment ça se passe. J'ai pas de. On va dire. Alors, c'est sûr que le sucre, je dois éviter un maximum, mais j'ai pas de forte restriction alimentaire pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je profite un peu. Alors, mon riz, il est cuit. Hop. Oh, le lave-vaisselle est plein de gueule.
Il est plein à gueule. Pas grave. Tac, tac. On va garder ça. On en a besoin. Ça, on en a besoin. Yep là. J'ai encore jeté ça, alors que j'en ai encore besoin. On va chercher un oignon. Alors, combien il reste là sur la machine? 10 minutes. 10 minutes sur la machine là, pour le gâteau. Hey, je vais réussir à être synchro sur un live, tu crois? C'est ouf. Ça, c'est le sachet de patates. J'ai cru que j'avais plus d'oignons. On va prendre deux au cas où. C'est comme c'est des oignons qui ont été ramassés sur le bord du champ. De toute façon, c'est une question de balancer son régime alimentaire. Oui, ouais. Bah après, voilà. Hein. T'as aussi le fait de bouger le popotin. Hein. Si tu restes sédentaire et que tu bouges pas, c'est compliqué, quoi. Bon, moi, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que si je marche trop, j'ai des douleurs chroniques du pancréas. J'ai un kyste sur le pancréas, donc qui est resté. Hop, on va éplucher un oignon. Enfin, deux plutôt. C'est pas des gros. On va prévoir une petite poêle. Après, si tu te bouges un peu, là, moi, je fais à peu près 40 minutes de marche par jour quand je vais chercher le gamin à l'école. Déjà ça aide, ça bouge, ça permet de faire de l'exercice, ça fait du bien. Je me suis acheté un tapis de marche. Ma femme vient d'acheter un stepper. Tu sais, un truc qu'il faut comme si tu montais des marches. Bon, je suis pas fan du truc, mais bon. On va dire, t'as 10 minutes à perdre, t'y vas quoi. C'est toujours mieux que de rester assis sur le fauteuil, mais après quand t'as pas trop le choix. Aujourd'hui, c'est ce qui est contraignant, c'est les douleurs. Malgré les traitements, le suivi et tout au centre de la douleur de lit. C'est voilà. Mais, comme j'ai dit, de l'ordure, ça crève pas. Hein, donc, vous inquiétez pas, même avec le meilleur des Roundup. En plus, maintenant, il n'y a plus de glyphosate. Alors, vous pouvez y aller, les amis. Hein. On se débarrasse pas de Tigal comme ça. Bonne fin de journée, je dois y aller, ciao, merci beaucoup, merci d'être passé encore, merci pour l'abonnement, merci à toi Yann, au plaisir, quand tu veux, n'hésite pas, hein. N'hésite pas, pareil, allez, on y va, on va, un peu d'huile d'olive dans la poêle, oh la poêle, et on se la fait à la portugaise ou le riz? Allez, vas-y, on va faire le dingue, vous allez voir. On va faire le dingue. Ça m'a donné des carottes, je te jure, ils ont une gueule. Ils ont une gueule. Ils sont super. Donc voilà. Là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Merci, mon Robette, merci. Je vais aller me presser. Ils sont là. Allez les voir. Vous dites que vous venez de la part du papa de Lucas, il comprendra. Enfin, ils comprendront. Vous n'êtes pas loin. Allez-y, les amis.
Ouais, je les kiffe. En plus, ça me permet en plus d'aller tranquillement à pied. La chance d'avoir tout au bout de la rue, ça. Bon, ça, c'est la Belgique, hein. Par contre, voilà. Donc, allez-y pas sans papier, parce que quand vous faites contrôler, ça rigole pas. Je vais vous le dire, 8 ans que j'habite là, je me suis fait contrôler. Jamais. Jamais un contrôle. Allez, on y va. Hop. Regardez ça. Après, tac. Hein, mon couteau? Ouais, ben mon couteau, il est mort. Mon couteau, il est mort. On va devoir reprendre lui. Regarde. Allez, on va faire des petits dés de carottes. Faites-les pas trop gros parce que du coup, sinon, ils vont être trop croquants. Voilà. Accélérer un peu parce que on va être forcé par le temps. Ouais, ça va, 18h10. Ça va, ça va, ça va, on est bien. On va jeter un petit coup d'œil au four après. Alors je vous dis pas les odeurs de gâteau pomme plus le poisson. Miam 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 miam. Allez, tranquille. Non, bon, allez, hop. Commence à faire très chaud. Vivement l'été qu'on puisse mettre des shorts, je vous le dis. Ah, normalement, moi je suis en short, hein, la journée à la maison. Je vous le dis. Hein. C'est parce que premier live que j'ai fait, j'étais en pantoufles. On m'a dit, on fait pas de live en pantoufles. Putain, je suis chez moi, quoi. Ouais, j'ai mis mes Vans du coup. Vous êtes bien calmes là, les gens. En tout cas, ceux qui suivent, qui sont pas encore follow, je vous invite, hein, n'hésitez pas. Si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. On est bientôt à 300. On est bientôt à 300. J'ai dit que j'allais commencer à arrêter de compter les dizaines, mais c'est un peu prétentieux. Allez, ça on va le garder pour le petit après. On va lui faire son assiette du soir parce que voilà. Ma femme, mon fils ne vont rien manger de ce que je prépare. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça sera tout pour ma... J'allais dire pour ma gueule. Ouais. On peut être vulgaire, non? Un peu? J'ai pas mis chauffer ma poêle, on va attendre. Ouais. Ça y est, le bip du gâteau.
Qu'est-ce qu'il donne ce gâteau? Est-ce qu'on le découvre ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on le découvre ensemble? Je vais faire OK. On va le découvrir ensemble. Comme ça, il n'y aura pas de triche. Hop. Faire un peu de ménage. Je vais ralentir ma poêle. Hop, voilà. Hop. Je me régale avec mes crêpes. Daddy, attends. Bouge pas, l'ami. Je te ramène quelque chose. Hop. Je débranche de là. Tac. Ah, c'est chaud. Voilà, là, 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 là. Bon, voilà. L'appareil n'est pas à manipuler une fois qu'il a chauffé. On va marcher. On va brancher ça là. On va découvrir le gâteau ensemble. J'ai rebranché au cas où s'il fallait lui refaire une cuisson. 40 minutes. Oh là là. J'attends, j'ai faim. Attends, mon ami. Je vais couper ma poêle 2 secondes. Vous êtes prêts, les amis? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous êtes prêts? Cake Factory, recette de gâteau aux pommes. 40 minutes de cuisson, il n'y a pas de tricherie, on l'a fait ensemble. Pouah, eh. Bah, 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 bah. Aïe, 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 aïe. Je veux voir. Admire, l'ami. Bon, j'ai un peu modifié la recette de base. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que pour prendre le plat, c'est pas. J'aurais dû prévoir un petit truc. Ouais, il y a une petite. On va faire la technique. Hop. J'espère que ça va passer. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Chat, regarde ça. 40 minutes de cuisson. L'ultime étape. Bon, il y a une morceau de pomme. Eh. Pas beau, ça? Moi, je dis merci, Camoulox. Merci pour. Sors le voir la tranche. Alors, il est chaud là. Si je le démoule là, à mon avis, il risque de pas trop apprécier le gâteau. On va laisser refroidir un peu. On va le sortir. Ça, on va le remettre là-bas. On va essayer de pas se cramer les mains. Hop. Chou. C'est là pareil. Hop là. C'est chaud. N'y a pas à dire. Putain, c'est chaud. Il fait pas semblant. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va laisser refroidir un peu. Je vais peut-être pas laisser là parce que je vais avoir besoin de place. Hop, on va le mettre là. Tac. Sérieux? Ah, eh. Alors, vous n'allez peut-être pas voir, mais. Ça colle pas du tout. Regardez le jour qu'il y a. Attends, je sais pas, il y a. Le jour qu'il y a là, hop. Voilà, regarde, tu vois. Aïe, 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 aïe. Joyeux anniversaire à Harold, c'est ça. C'est pour Harold. Harold, il a reçu son cadeau d'anniversaire tout à l'heure. Je lui ai envoyé un petit quelque chose pour son anniversaire. Allez. On va remettre. On va mettre ça. Hop, voilà. Tac. On est parti pour mettre les oignons, les carottes à cuire. On va mettre notre riz après.
Voir ce que ça donne dans le four. Tranquille, 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 tranquille. Hop. On va laisser ça cuire tranquillement. Hop. Ici. On va bien mélanger, on va saler, poivrer, on va couvrir. Voilà. On va préparer l'assiette du fiston parce que lui, il va pas manger ça. Merci pour ce salopio. Merci encore Tigal. Je viens à quelle heure? Bah écoute, ça dépend. T'as combien de temps de route? T'as combien de temps de route de Tourcoing, mon ami? Du 38, c'est pas à côté, hein. Ah, tu prends ton temps de route jusqu'à ouais, Tourcoing, puis tu vois. Mais si vous voulez un conseil, aujourd'hui, faut éviter un peu Tourcoing et les alentours. Il y a beaucoup de routes sont barrées parce que. Comme qui dirait, on a un peu le grand patron qui arrive à Tourcoing aujourd'hui. Le pharaon est là, le chef de nous. Tac, 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 on va lui mettre ça, il sera content. On va lui mettre ça, il en a encore un peu. Ouais, il en a encore un peu. Nickel, nickel. Ah, allez, on va lui mettre ça, il va être super content. Je vais boire une petite goutte, les gens.
Ah, désolé, j'avais pas. J'étais en train de boire une goutte. Excusez-moi. En même temps, ça vous évite de m'entendre manger. Parce que j'ai pris un bout de saucisson. Bon. Le boulet. Oui, j'ai bu une goutte et j'ai mute et j'ai pas redémute. C'est de ma faute. Du coup, je vous montrais les saucisses de Cricri. Mon Cricri qui fait des saucisses à sa fabrique. J'ai chaud. Je peux vous dire qu'il y a une chaleur ici. Ah là là. Hé, le chat! Vous croyez qu'on va savoir faire un truc avec le chat? On va voir. Assis? Assis? Ouais. Vous avez vu? Eh, vous avez vu? C'est qui le patron? Salut Nova! C'est mon gros. Allez, qu'est-ce que ça donne ici? Tranquillement, ouais, bien. Ça rousse. Ça cuit tranquillement. Alors moi, les carottes, je les aime bien un peu croquantes, donc ça vous laisser. Tac, tac. Voilà. Pas de pitié pour le concombre. Là, je suis en train de lui faire son truc préféré en plus. Son assiette préférée. Tac. Et le chat. Il est trop chou. Alex, t'as un fan club. Viens. Viens, chat. Viens, chat. Allez, on va peler le concombre. C'est dégueulasse. Pas d'esprit mal tourné, s'il vous plaît, sur cette phrase. On clip pas, hein, surtout. On ne clip pas, hein. On ne clip pas. Non, je peux pas faire ça. Des carcars. Allez! Ça va Nova, sinon? Comment il va, mon ami? Et mon four. Yeah! Personne qui me dit, hey, surveille ton four! Mais non, il n'y a pas besoin. Ça va être cuit. Va être cuit, cuit. Voilà. Hop, garde ça, on met là-dedans. On va préparer. Oh! Si t'arrives, chat! Viens! Alex! Hop! Chut. Assis! Hey, t'as vu? T'as vu, c'est qui le patron? Tiens, mon gros. Laisse tomber, lui parle pas, lui. Il répond une fois sur 10. Vous inquiétez pas, hein, je fais ce que je veux avec le chat tant que j'ai de la bouffe dans les mains. Alors, le gamin, voilà son assiette. Salade iceberg. Du concombre, en veux-tu, en voilà. Hop. Voilà, il y en aura beaucoup, hein, vous inquiétez pas, il va pas manger tout ça. Enfin, quoique. Ça lui ferait pas de tort de manger un peu à ce gamin. Hop. Petite assiette. Mon chat. Allez. Tu viens?
Ah si? Oh, oh, c'est bien mon chat. Allez, tiens. Allez, on lui met un peu de saucisse. La saucisse de cri-cri. Saucisse de taureau. Je dis pas que cri-cri, il a une saucisse de taureau. C'est juste qu'il les fabrique. Là où il travaille. Voilà, petite assiette. Ça, c'est l'assiette du gamin, hein, je vous le dis. Voilà, tranquille. On va revenir à notre gâteau après. Tiens, hop. Il a pas vu ce con. Tiens. On va mettre ça au frais. T'es sérieux là? Tiens. Ok. Alors c'est un chat, quand il a mangé trop de saucisses, il en veut plus. Voilà. D'habitude, c'est une rondelle en petits morceaux, mais là. Là, il a dit non, c'est bon, j'en veux plus. Garde ta merde. Super. Si Christophe m'entendait dire ça, j'en prendrais plein la gueule. Oh, t'inquiète pas, on va la manger, nous. Ah, j'ai failli prendre un morceau, mais ça vous aurait fait un de ces bruits. Allez, on y va. On continue là. Le riz, la poêle. Au nom d'une scie poêle, on va changer de gaz comme ça, vous verrez bien. Voilà. Bon, j'ai dit riz à l'oignon, bah ça sera riz oignon carotte. Voilà. Tranquillou. T'en veux? Voilà. Là, j'en ai pour trois repas, hein. Facile. Hein. Voilà. Allez, on va mettre ça sur le plus grand gaz. Voilà, ça ici, plus besoin, non plus. Oh, allez, on mettra ça dans autre chose. Allez, repetit mouchage du nez. Excusez-moi.
Oh non, dis-moi pas. J'ai recommencé. Oh mince, mince. Allez, voilà, je vous présentais du coup tout ça. On va essayer de faire ça. Tac. Quelque chose de beau pour voir un peu la poisson, la cuisson du poisson. Bon bah ça fait une croûte hein, de toute manière. Tac. Peut-être un peu trop de. Hop, on va le mettre sur le côté. Voilà. Voilà. Remettre ça au-dessus. Tac. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà les amis. Poisson à la bordelaise. Un riz oignon carotte. Tout simple. Gâteau aux pommes. On va le trancher. On va voir ce qu'il donne. Voilà. Oh là là, l'odeur. Oh les amis. Salut Nathan. Le gâteau aux pommes. Voilà. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui sent bon. Voilà, on y est arrivé les amis. On a fini ça. Comment il va Nathan? Bah écoute, la forme et toi? La forme. On vient de finir un dos de cabugé, un dos de lieu noir à la bordelaise avec du riz complet, bah, du riz nature ou bien peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Je ne connaissais pas ce type de vidéo, c'est cool. Ah merci mon ami. Hop, voilà, bon, normalement j'aurais dû mettre un peu de tomate mais je les oubliais. On a fait un gâteau aux pommes, on a testé le Cake Factory offert par mon épouse pour Noël. Noël, pour mon anniversaire. Il jouait avec quoi, Alex, là? Une boule d'alu? Un gâteau. Voilà, les gens. Bonsoir, Thorin. Alors, Thorin? Thorin, il a reçu son cadeau. Thorin, il a reçu le cadeau. On va faire les photos pour Twitter. Et face de bouc. Voilà. Il n'y aura plus qu'à poster ça. Alors, en plus de la cuisine, ça fait partie de ma passion et ça a l'air succulent. Bah écoute, mon ami, c'est quoi? Je vais pas faire ça, mais moi, voilà, j'ai mon poisson. Voilà, à la bordelaise. Depuis tout à l'heure, il me donne envie. Depuis que je l'ai fait, en fait. Ah là 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 là. Alors, c'est pas pour me vanter. Il déchire. Il déchire. Ça déchire. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. On est bientôt à 300 follow. C'est complètement dingue. Encore merci là-haut pour le raid. Hein. C'est vrai que ça a donné un sacré coup de main. Tu fais partie des gens si, où je ne serais pas là aujourd'hui, hein, de toute manière, à ce niveau, si tu n'avais pas aussi participé. Comme tous les copains que je vous partage, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà.
Ça, c'est tous les copains grâce à qui je suis là. Et Nathan, merci. Nathan, offert par Thorin. Merci, Thorin, pour Nathan, merci. Pardon. En fait, comme ça, en anglais, c'est inversé. Donc, ça note d'abord la personne qui est sub, et après, c'est écrit offert par. Merci, Thorin. Merci beaucoup pour Nathan. Merci, merci pour lui. Et merci beaucoup, Thorin, pour moi. Merci pour la chaîne. Ça fait super plaisir. Du coup, je disais Thorin qui a reçu sa besace. La petite besace Star Wars du giveaway. J'espère qu'en tout cas ça te plaît, même si tu m'as déjà répondu via MP, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de t'envoyer ça. Ça fait super plaisir d'avoir pu voir un peu, d'avoir pu pouvoir vous rendre un peu la générosité que vous avez fait part. Donc c'est super, c'est super. Du coup, bah, le concours aussi grâce à Derry Figurines, voilà. Site potentiellement dangereux si vous avez des fans comme moi d'Harry Potter à la maison. Petit code parrainage à l'inscription, vous tapez Tigal et vous avez un petit code qui arrive par mail pour avoir 3% des 30 euros sur votre première commande. Voilà, ça me fait super plaisir aussi d'avoir ce petit... petite affiliation avec Derive. Et je les remercie encore grandement de la participation qu'ils ont fait pour le giveaway. On va essayer de voir pour remettre en place ça dans quelques mois, pourquoi pas, en refaire un concours et vous refaire gagner des choses. Donc voilà. Super. En tout cas, pour moi, ce fut un agréable moment. J'ai encore passé une agréable soirée. Je suis encore sur les rotules. Je suis rincé. Ça va être ce soir, je vais bien faire dodo encore. Merci du coup à tous. On va aller voir si je peux vous envoyer quelque part, hein. Il n'y a pas de raison qu'on continue pas la chaîne de raid. Alors, qui avons-nous? Eh, alors, on a le choix. On reste dans un thème cuisine, on va dans un thème musical ou on part dans un thème camion ou bateau. Bon, tout à l'heure, on a fait, vous étiez sur un thème bateau, vous êtes arrivé sur un thème cuisine, vu l'heure. J'ai pas encore pu aller chez cette personne aussi qui est très 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 sympathique. Je vais vous envoyer là-bas. Surtout ne quittez pas, s'il vous plaît. Ça fait aussi participer à la vie de la chaîne. Bonne soirée, Thorin. Merci beaucoup encore de ton passage. Un peu tard. Désolé, hein, mon ami. C'est la fin. Et là, il va être l'heure d'aller finir de préparer le repas pour madame et aussi pour le fiston, même si son assiette est déjà prête. Je vous envoie là-bas. Bougez pas, je fais la commande. C'est pas ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Vous allez l'avoir, vous lui faites des gros bisous de ma part. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous voir ce soir. Ça m'a fait. C'est encore un moment passé ensemble. Ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Ça fait du bien de. Allez, on y va en avance. Merci encore pour tous les follow, les bits, les abos, tout. C'est encore une soirée de dingue. On se donne rendez-vous chez Gibus. Je vous mets l'intro. Et c'est parti là-bas. Merci à tous. Bonne soirée. Plein de bisous.